Tu es directeur technique de l'usine ? Tout à fait. Voilà, éditeur de logiciels de maison de tournage ? Ouais, on fait des logiciels pour les gens qui font des films, des séries, des clips, des publicités. Voilà, et en tant qu'architecte, tu touches à MongoDB, à React ? Exactement. Bon. Pas React, mais à RX. Non, mais c'est un peu le buzzword du moment, tout le monde appelle ça à React. Bon alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà venus ? Voilà. Donc vous connaissez le principe, est-ce qu'il y en a un qui veut m'expliquer le principe de la communication entre le public, vous, le speaker ? Oui. Il y en a un qui veut s'essayer ? Non ? Personne ? Bon alors je vais expliquer, c'est assez simple. On a une personne qui a la gentillesse de venir vous présenter un sujet, de nous parler, de partager sa science. On a un public énorme, amoureux, et moi c'est pas mal. Et comme on ne peut pas forcément tous échanger immédiatement, un par un sur les questions, toi, on fera à la fin. Ouais, hein, tu as déjà. Alors, pour le buffet, hein, ou la troisième mi-temps. Et donc, bah, quand vous êtes content. Si d'aventure, il parle de ses chars, ou d'autre chose, et que vous n'êtes pas content. Troisième sèche, je crois. Bon, écoute, bonne chance. Ouais, j'essaie de pas trop parler de ces chats. Non, je crois qu'en ce moment, c'est notre génial. C'est la justice pas non plus, tout ça. Tout va bien, tout va bien. Bonjour à tous, c'est bon, vous avez vu les sponsors. Tac. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de Reactive Programming avec une librairie qui s'appelle RxJava. J'utilise en prod depuis un an et demi. Donc moi je suis Gocordier, on l'avait déjà fait, alors ça, rapidement Gocordier, je suis développeur et fondateur d'une boîte qui s'appelle Mélusine, et on fait des outils pour les gens qui font des films et des séries, pour les aider à organiser leur tournage et à valoriser les datas après le tournage, pour tout le long de la chaîne de distribution. Je suis développeur Java depuis un bon moment, Groovy depuis un peu moins de temps, mais quand même. Et JavaScript depuis un bon moment aussi, et du coup je ne vais pas trop en parler ce soir, JavaScript. Ça j'ai déjà fait. Tac. J'ai mis les slides et surtout les exemples que je vais donner sur GitHub. Je ne sais pas si vous avez internet, mais si vous n'avez pas internet, je viens d'ouvrir un truc sur mon téléphone. Alors, je ne téléchargerai pas tous en même temps, mais vous devriez pouvoir. Ça s'appelle Mélusine et le code c'est 12345 jusqu'à 9. Un gros mot de passe de qualité. Vous avez vu tous l'adresse, c'est bon. Au pire, vous tapez Mélusine dans Google et vous allez trouver. Rapidement, du coup, je vais faire un état des lieux de ce qui existe, ce à quoi répond RX comme use case, et puis aller un petit peu plus dans les concepts des reactive extensions. Alors, rapidement, pour voir ce qu'on va faire, quand on veut faire des appels qui sont asynchrones, pour l'instant, on a deux choses, les callbacks. On a tous fait du swing avec des listeners, on a tous fait certains de l'Android avec qui assez à peu près la même chose. Les callbacks en Java, c'est pas super pratique. En gros, ça peut ressembler à ça, même si c'est ici un framework qui est super, qui s'appelle Vertex, que vous devriez utiliser pour créer des serveurs, on va dire. Un callback, ça fonctionne pas. C'est juste qu'on ne comprend pas ce que le développeur a voulu faire. Du coup, des futures. Alors ça, c'est futures de Java 7. 8. 8. Admettons. Ah oui. plutôt bien, qui sont chaînables, à peu près lisibles, même si combine et apply, etc. Ça me perd un peu. Mais bon, j'imagine qu'on s'y fait vite quand on les utilise tous les jours. Sauf que ça ne répond pas à certains use cases que moi j'avais. Typiquement, une future, ça ne contient qu'une seule valeur, c'est-à-dire qu'une fois que ça vous rend la valeur, c'est fini. Vous ne pouvez pas faire un ensemble d'une liste de valeurs. Par contre, vous pouvez avoir plein de futures ensemble, vous pouvez les synchroniser ensemble et récupérer toutes les valeurs de chacune des futures. Bon. Tout ce qui est gestion du temps, des time-out, des délais à rajouter, ce genre de choses, c'est un peu compliqué à faire avec des callbacks et des futures. Et tout ce qui est gestion des threads, j'ai pas envie de m'embêter avec ça, et juste je sais pas faire, c'est pas assez bon pour ça. Du coup, rapidement, RX s'est développé par un monsieur qui s'appelle Eric Meyer, qui
était chez Microsoft. Microsoft a open sourcé une brique qui s'appelait RX.NET. C'est le seul moment où je parle de .NET. Et RX.js en 2012. Ça a été appris par une petite boîte qui s'appelle Netflix et qui trouvait les concepts intéressants pour résoudre les problématiques qu'ils avaient et qui ont open sourcé avec Java et disons pas mal de choses avec, c'est-à-dire RX Groovy, Scala. Alors ça, c'était peut-être pas en 2013, mais depuis, on peut utiliser tout ça qui est basé sur RX Java en fait, dessous et développé par Netflix. Alors du coup, pour pas trop parler de buzzword et réactive, etc., en fait, laissez tomber la partie réactive. Ce qui est important, c'est un observable. Qu'est-ce que c'est qu'un observable, en fait ? Nous, l'idée, c'est de traiter des données asynchrones à travers ce paradigme-là, on va dire, qui s'appelle observable. Alors, un observable, si on met ça un petit peu dans son contexte, c'est un contexte, on va dire. Disons qu'en haut, on a le développement synchrone, en bas, le développement asynchrone. Donc, on récupère une valeur en synchrone, on fait un get data, on récupère une donnée, ça se fait comme ça. Ensuite, en fonction de la donnée, hop, on fait quelque chose ou on fait autre chose. Si on veut récupérer plusieurs valeurs, on a des itérables, c'est pratique. Du coup, on récupère un ensemble de données, on itère dessus, et en fonction de leurs valeurs, on fait des choses. L'équivalent, du coup, de cette méthode qui retourne une seule valeur, au niveau asynchrone, ce serait des futures, des promesses, ce que vous voulez, puisqu'il ne renvoie qu'une seule valeur. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait pas avoir l'équivalent, dans le domaine asynchrone, d'un itérable. Et du coup, c'est un stream d'événements asynchrones. Et du coup, on appelle ça les observables. Alors, un observable, de manière plus théorique et basique, c'est un élément qui envoie des événements. Il peut en envoyer zéro, c'est un itérable qui termine directement. Il peut en envoyer une infinité. Il peut ne jamais finir. C'est un flux, un stream qui est constant, qui ne s'arrête jamais. Il peut envoyer une erreur. À partir du moment où il a envoyé une erreur, jamais il renverra un autre événement. C'est une partie des choses dont on s'assure. Et il peut envoyer la fin du stream. Ok, il peut juste faire ça, cet observable. Donc l'idée ensuite, ce sera d'écouter ces événements-là. Je vais utiliser beaucoup ces trucs-là en haut, là, qui s'appellent des marble diagrams, qui sont assez pratiques. En gros, celui-ci en haut, la flèche verte, c'est votre observable. Et celui-ci, il dit qu'il y a deux éléments qui ont été envoyés dans ce stream-là. Ok. Un event qui est rouge, en l'occurrence, sa valeur c'est rouge, admettons, et un event dont la valeur est bleue, voilà, un rouge bleu, et puis ensuite votre stream a terminé. Comment ça s'écrit? Mais en vrai, en prod, on n'écrirait pas ça, enfin, ce qu'on veut, mais c'est pas très joli. Comment ça s'écrit, disons, de manière la plus simple, la plus directe avec l'API? C'est comme ça. En gros, ici, j'envoie deux événements, les deux événements, le rouge et le bleu, là. Et je termine mon flux. Admettons qu'il y ait une erreur au milieu. En tant qu'observable, c'est mon devoir de relancer cette exception dans mon flux aussi, pour qu'elle soit prise en compte après quand je vais m'en servir. Jusque-là, on est bon. L'avantage, c'est que du coup, l'observable, il est responsable de où va tourner le code que je suis en train d'écrire. En gros, c'est ici qu'on va lui dire, par exemple, OK. Je veux que ce code-là, tu le fasses tourner dans un thread à part. Parce que RX, nativement, est juste single-threaded. Okay, il se demande pas, lui, il fait tourner ça dans votre thread principal. Mais on parlera après de comment on fait, parce qu'il y a un truc qui s'appelle les schedulers, qui sont vachement. Ok, donc maintenant, j'ai un flux de données. J'ai des exemples, après, ce sera plus compréhensible. J'ai un flux de données. Et je vais les écouter. Parce que là, on fait du flux dessus. Du coup, pour ça, j'utilise une méthode qui s'appelle subscribe. Okay, je prends un subscriber, du coup. Et là, pour écouter un observable. Écouter un observable, c'est avoir finalement trois méthodes. Une pour chacun des événements de l'observable, qui s'appelle onNext.
une pour les erreurs de l'observable, qui s'appelle onError, et une lorsque l'observable, le flux, est terminé, que ce soit par une erreur ou par un pas du complété. En réalité, la dernière méthode, moi je m'en sers jamais, admettons, avec des jolies c'est des closures de Groovy, mais avec des jolies closures ou des jolies lambda de Java 8, c'est beaucoup plus lisible. Tac. Et j'ai même des exemples. Rapidement, il faut surtout pas que je touche le. Ça va débrancher. Alors vous allez me dire si vous voyez, parce que j'ai mis en très très gros, ce sera ici. Hein. Vous voyez ça ou pas? Je peux augmenter la taille. C'est bon fond, ça. C'est un réduit. Ok. Bon, rapidement. Comment on fait un. Donc les imports, on s'en fiche. Ça, c'est ce que j'avais dans mon exemple où il démarre ça dans un thread à part, okay, avec un exécuteur. Et il me renvoie 10 événements, c'est un peu bas. Hein. Il me renvoie 10 événements, d'accord, en attendant dans le thread chaque fois de 2000 millisecondes, ne faites pas ça chez vous. Du coup, on peut voir si ça marche, et puis surtout subscriber à ça, pour voir si on a les résultats. Et là, on voit si ils vont très devant. Voilà. Donc, ici, dans mon subscriber, là, j'ai fait un println. Tu peux te mettre en presentation mode. Hein. Comment on fait? Ctrl-Shift-A, présentation. Et C'est beau ce que tu dis. Mmh. Sauf que ça s'est débranché. Mmh. Ah, c'est bon. Yes. On est content. Sauf que il n'y a pas ma console sur presentation mode. Ça, c'est bien d'avoir ma console grouille dessous. On ne peut pas tout avoir. Du coup, ça ne sert à rien. On peut par contre juste éteindre le micro sur la table parce que ça fait des interférences. C'est JVC? Non, c'est pas celui-là. Si. Bon. Mieux? Ouais. Ok. Celui-ci d'ailleurs, il dit low battery maison. Du coup, oui, ici, ce que ça a fait, c'est que ça va créer mes 10 événements, d'accord? Ça a attendu à chaque fois 2 secondes avant de créer l'événement suivant. Et en bas, mon subscribe, il les a reçus un par un ici et les a affichés avec un println qui marche dans la console de Groovy. Et donc, comment on ressort de ça? Repareil, Ctrl-Shift-A, présentation. Ah, voilà, oui, c'est et voilà. D'accord. C'est incroyable. C'est génial. Ok. Bon, d'accord. Il y a des trucs, disons qu'on a des méthodes pour simplifier ce genre de choses. Typiquement, créer un observable qui n'a qu'une valeur. Pourquoi ça a réduit ma fonte là maintenant? Je ne sais pas. J'ai mis 25, 27, c'est bien. Bon, je vais rester comme ça. Du coup, Just, par exemple, qui crée un observable, une source du coup d'événements qui renvoie une valeur et qui complète, d'accord? En gros, c'était l'équivalent d'une future, mais dont vous connaissez déjà à l'avance la valeur, ce qui n'a pas grand intérêt. Donc là, tac, I'm a value. Vous pouvez faire ça avec des tableaux, des itérables, du coup. Et si c'est un itérable, alors, en Groovy, c'est joli, en Java, ou en fait, on peut mettre des sous, des HMAP. Là, qu'est-ce qu'on. Et puis, on a des manières de faire, typiquement, des flux qui sont infinis, avec intervalles. Par exemple, ici, on va créer un flux qui envoie une valeur toutes les secondes. D'accord? Donc, ça va faire un tick toutes les secondes. Je vais mettre un truc pour qu'on puisse l'arrêter, parce que sinon, on va penser à la fois, je suis obligé de la remplir. Du coup, ici, un flux qui est infini et au bout d'un moment je me désabonne de ce flux là via ce truc là qui s'appelle unsubscribe. D'accord? Donc ça c'était les premiers petits exemples. Bon, pour l'instant on a fait juste quelque chose qui émet des événements, quelque chose qui l'écoute
pas super intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est de transformer ces valeurs entre les deux. Du coup, en utilisant des opérateurs. Donc un opérateur, alors encore mes marvel diagrammes, là. Un opérateur, ça prend un observable et ça rend un observable. D'accord ? Un observable différent. Donc ici, ça prend un observable en entrée avec des ronds, des carrés, des triangles, des losanges, des polygones. Et ça applique dessus une fonction. En l'occurrence, comme mon opérateur s'appelle filter, notez bien que ça prend un prédicat du coup et que je veux prendre que les événements qui sont ronds. D'accord ? Et je me retrouve du coup avec un nouvel observable en dessous qui lui ne contient que les événements qui ont été filtrés. En vrai, dans la vraie vie, ça s'écrit comme ça. Alors encore en Groovy. En Java, ça ressemble beaucoup. Il y a juste des parenthèses autour en plus. Hit, ça n'existe pas. Mais... On voit ce que c'est hit en Groovy ou pas. C'est l'objet. Ok. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir commencer à prendre des flux d'événements asynchrones et les rassembler entre eux. Typiquement, deux flux d'éléments qui sont du même type. Là, les types ronds. Dans la vraie vie, ça pourrait être des integers. Comme ils sont de même type, je peux les merger ensemble pour avoir plus qu'un flux à partir de ça. Et donc c'est assez visuel avec ça. En dessous, la vraie version. Donc ça permet de rassembler ça. Quelque chose d'utile, très utile aussi, c'est la même chose, sauf que c'est en haut des flux qui sont de type différent. Je ne vais pas tous vous les faire, les observateurs, les opérateurs. Rassurez-vous. Du coup, en haut, deux flux. Un avec des objets de type différent, un avec des triangles. Je donne à Zip une méthode qui est capable de prendre ces un objet de chaque flux et de me rendre un troisième, et je me retrouve avec un flux qui a été transformé. FatMap, alors les gens de Scala connaissent, les gens de... En gros, restons simples, FatMap, je lui donne des événements, dessus, sur chacun des événements, j'applique une fonction qui me rend un observable, c'est-à-dire un flux d'événements. Tous ces événements-là, je les rassemble sur un même observable. En fait, c'est faire un map et faire un merge après. Ce sera pratique après pour faire en gros des flux imbriqués les uns dans les autres. Live exemple. Ouais. Est-ce que j'ai ça? Bon, les opérateurs. Typiquement ici on a un flux avec des integers dedans, on va les filtrer. Il y a un opérateur qui va être distinct qui va être capable de prendre que ceux de ne prendre qu'une fois chacun d'entre eux. Enfin attention parce que du coup ça va faire un buffer à un moment. On va laisser tomber les deux premiers éléments et on va afficher le reste. C'est ça que ça veut dire ça. Donc du coup on se retrouve bien avec 2, 0, 4, 6. Et si vous regardez ici, le premier qui est... oui, on a laissé tomber les deux premiers, du coup, 1 et 3 sont tombés. 2, 0, 4 et 6, c'est ça. Plus intéressant, je pense, tout ce qui est combiner des flux. Donc ici, j'ai fait deux flux de données. Ok. Et je vais mettre ça en grand, parce que sinon vous n'avez pas réussi à lire. Ça c'est bon. Ici j'ai deux flux de données, okay, qui ont le même type, qui envoient tous les deux des strings en l'occurrence. Un qui dit value from source 1, et qui envoie en fait 1, 2, 3, 4, 5. Et l'autre qui dit value from source 2. Donc dessus, typiquement, je peux les merger pour avoir qu'un seul flux et écouter sur ce flux-là. Du coup, c'est ce que j'ai en dessous, ce fameux merge.
Et du coup, je vais me retrouver ici avec, avec les deux flux qui m'envoient des données que je vais écouter qu'à un seul endroit. Et comme c'est infini, je vais relancer mon concert. Tac. Ou alors, vous avez un truc pour arrêter ça. Voilà. Ok. Ça, c'est les petits exemples pour me mettre en jambe. Qu'est-ce que j'ai après? Alors, je vais faire un exemple de la vraie vie avec, avec une API qui est géniale, qui s'appelle Swappy, et qui est l'API de Star Wars. En gros, vous pouvez demander tous les films dessus, ça vous renvoie, on peut les voir, ça vous renvoie le film en JSON avec, si j'ai internet, avec tous les rôles, disons, qui jouent à l'intérieur, toutes les planètes qui sont en cause dans le film, les véhicules, etc. Bref, nous, ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est à partir d'un film, de son ID, par exemple le premier, c'est l'épisode 4, récupérer tous les rôles, ok, et pour chacun de ces rôles-là, récupérer leur espèce et leur planète d'origine, mettre tout ça ensemble et afficher dans un grand tableau chacun des rôles avec leur planète et leur espèce. Alors, vu comme ça, comme c'est des appels externes, on va dire, HTTP, quoi, c'est typiquement asynchrone. Donc, ça va être compliqué de gérer ça si vous voulez gérer ça avec des callbacks ou avec des futures. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va utiliser un truc qui s'appelle Netty, qui est vachement cool aussi, et qui a un connecteur, c'est pas grand, qui a un connecteur RX, du coup, c'est aussi simple. Du coup, c'est pratique parce que faire une requête GET avec Netty, avec RX, c'est juste on fait HTTP GET. Bon. Enfin, c'est pour ce que je fais. Je fais un peu plus de web. Hop. Du coup, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va chercher le film numéro 1. Là, je vous passe les détails, mais en gros, ça a mappé ça sur un objet et puis l'afficher. Du coup, hop, voilà, moi je récupère mon petit objet ici, qui est bien. Un object, on va dire. Je vous lis. Donc maintenant, je vais utiliser ça dans une fonction. Je ne vois plus rien. Et vous non plus. Bon. Ensuite, comme j'ai cette fonction qui, à partir d'un film, peut me renvoyer l'objet qui correspond, je la définis. Ici, tac, c'est un truc qui s'appelle get épisode. Et puis, si par exemple je veux récupérer les 6 films, j'ai plus qu'à utiliser ça. Je démarre un observable qui m'envoie des valeurs de 1 à 6. Là. Pour chacune de ces valeurs-là, je la retrouve ici. Et du coup, je récupère l'épisode qui correspond. À partir de cet épisode-là, je fais une string qui est assez jolie, qui dit le titre. De l'épisode et l'épisode numéro machin et a été réalisé par le réalisateur. Du coup, si j'ai internet, ça devrait marcher. Voilà, donc il me récupère mes 6 films. Et il m'affiche mes résultats. Ça, c'est la version simple. Et ensuite, et je vous laisserai regarder sur GitHub après un petit peu plus aussi. Et ensuite, je peux utiliser ça un peu plus en profondeur pour faire ce dont je vous parlais tout à l'heure et récupérer toutes les valeurs de tout le monde. Donc ici, j'ai toujours mon get épisode. Je vais simplifier ça un petit peu en faisant une méthode qui s'appelle get SW API, mais c'est pareil. Ici, du coup, je vais récupérer l'épisode 1. Ah, je vais récupérer l'épisode 2 aussi, j'avais oublié que j'avais changé l'épisode 5, pardon, excusez-moi. Ah, les fans de Star Wars vont me tuer.
Ok, donc le premier épisode et le deuxième épisode, ça va être 4 et 5. Je vais les mettre ensemble. Pour chacun d'entre eux, je vais aller chercher tous les rôles. D'accord ? Ici, là, épisode pour un character. Ça veut dire qu'en fait, ça, c'est les URL des characters, des personnes. Je vais prendre que les rôles distincts entre les deux films. Ça sert à rien d'aller chercher deux fois, si j'en ai pas la requête, on va dire. Et puis, pour chacun, je vous laisse. Je vous passe le zip quiz, c'est juste pour ça que vous voulez. Pour chacun, je vais récupérer le rôle. Et pour chaque rôle, du coup, ici, récupérer sa planète d'origine et son espèce. Tu penses à quel âge ? 30. Non, mais ça va, ok, donc là j'ai fait ça un petit peu rapide pour pas vous perdre dans des grandes explications. Mais dans l'idée, là j'arrive ici avec ici le rôle, d'accord. Ici je récupère la planète en faisant un appel qui lui est asynchrone, ça m'envoie un observable. Ici je récupère l'espèce. L'espèce, c'est un tableau, mais je comprends pas parce qu'il y a des gens qui sont plusieurs espèces dans ce tableau. Et du coup ça, c'est asynchrone aussi. Je récupère la réponse, du coup, c'est des planètes et des espèces en bas, là, ici, tac. Et j'ai plus qu'à mettre ça dans un joli tuple. Alors, faire ça avec Java, c'est moins sympa. Il y a un truc qui s'appelle Joule, qui est pas mal pour faire des tuples. Ouais, je mets ça dans un joli tuple avec le nom du rôle, l'espèce et sa planète d'origine. Bref, je récupère tout ça, ensuite dans mon subscribe. Et dans mon subscribe, du coup, mes événements sont de type ces tuples-là, avec le nom de la personne, sa planète et son espèce. Du coup, j'ai plus qu'à l'afficher. Et normalement, c'est lent. Oui, mais c'est parce que t'es énervé. Qu'est-ce qu'on dit ? Donc épisode ? Bon, bref, je vais pas débugger devant vous. Hein. Si, non, je vais pas. Ouais. Fais-toi ton intuition. En même temps, je sais même pas où j'ai parlé de finalement, c'est pas grave. J'ai dû m'asseoir sur mon clavier. Ah, c'est ça. Ouais. 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 Ah, ouais. De caractère, hein. J'affiche ça quelque part dans un ici. Alors on utilise des do an each, do an error, etc. Quand on veut faire des choses qui sont en dehors du process de transformation des objets. En gros, c'est pour faire des typiquement pour loguer des choses, pour ne pas modifier. Du coup, si je relance ça sur mon do dégueulasse. J'ai bien tout. Bref, du coup on voit que c'est assez pratique d'utiliser Rix pour rassembler ensemble des sources qui sont asynchrones. Sachant que des sources asynchrones, il n'y a pas forcément que des appels HTTP. Typiquement, bon après ça dépend de l'archive que vous avez. Nous, Details, on utilise Vertex en prod. Vertex, tout est asynchrone. Quand on discute avec des modules, c'est asynchrone, quand on discute avec la base de données, c'est asynchrone. Bref, il faut rassembler tout ça. Et à un moment, avec juste des callbacks, c'est pas possible. De fait, du coup, à force de l'utiliser, maintenant, une requête d'un utilisateur, pour moi, c'est un événement dans un flux Rx. Parce que finalement, je ne sais pas quand est-ce qu'il peut arriver.
Et ensuite, j'en fais ce que je veux, je mélange la requête avec ce que je veux, et à la fin, je reçois ma réponse et je lui renvoie. Alors, reprenons. Alors, avec tout ça, je vais pas vous faire peur parce que je n'avais pas encore parlé de ça. Comment on gère les erreurs du coup, sachant qu'elles peuvent venir un petit peu de partout, et que si vous avez un serveur externe, enfin un service que vous utilisez, qui ne répond pas, il va falloir le gérer. Donc comment on fait ça? RX propose, enfin déjà, solution de base de RX. Tout ce que vous faites, à partir du moment où vous créez votre observable, et jusqu'au moment où vous y souscrivez, donc les opérateurs, hein, tout ça, il faut imaginer que c'est dans un grand try-catch, en gros. Et tout va être récupéré et renvoyé ici, là, dans mon handle error. Okay. Même quelque chose qui est censé, qu'on vous oblige pas à catcher d'habitude. Division par zéro, par exemple. Cela dit, typiquement, si vous êtes dans le cas où vous parlez à un service qui, lui, ne répond pas et qui vous fait une erreur, un timeout, quelque chose, vous voulez pas forcément tomber dans juste l'erreur de base ici. Vous voulez peut-être, du coup, aller chercher un autre service, une réponse similaire, ça, par exemple. Du coup, pour ça, il y a des opérateurs qui vont plutôt bien. Le premier, je vais dire celui qui est en bas, en fait, c'est logique. OnErrorReturn, quand il y a une erreur, on lui dit de retourner un objet et de terminer le flux. Mais il ne passe pas dans OnError, du coup. Il est à la fin. Je vais vous montrer des exemples. OnErrorResumeNext, c'est typiquement ce qu'on pourrait utiliser si on voulait souscrire à un nouveau service pour remplacer celui qui vient de tomber. En gros, quand il détecte une erreur, il va remplacer l'événement erreur par un nouveau flux de données qu'on lui définit. Ça ressemble à ça, si vous voulez, des Marvel Diagrams magnifiques. Ici, si vous avez une exception, tac, lui va la prendre. Après, vous en faites ce que vous voulez à l'intérieur. Moi, je la loggerai au moins quelque part quand même. Et puis ensuite, à la place, du coup, vous pouvez émettre des données de remplacement. Et un error return, c'est un peu la même chose, mais d'une manière plus basique. Des exemples, j'en ai. J'ai fait un truc où on a un flux d'événements qui sont des integers et on divise 2 par la valeur de nos événements. Il s'avère que par hasard j'ai mis des zéros dedans. Du coup, normalement c'est quand même censé péter. Du coup, ça c'est l'utilisation de base, on va dire. Si je lui dis rien, ben, j'ai mis print stack trace, mais c'est vrai que c'est pas forcément joli, mais je pourrais mettre un truc qui dit coucou. Donc il passe les premières valeurs de mon flux sont bien prises en compte, puisqu'en dessous mes opérateurs ne sont pas au courant qu'il arrive à un zéro, ils les traitent au fur et à mesure. Donc j'ai bien les réponses pour 3, pour 2, pour 1, mais quand arrive 0, il passe en dessous dans la méthode qui récupère les erreurs. Pas forcément pratique, parce que typiquement, je pourrais dire juste laisse tomber, prends pas en compte les zéros, quoi. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que je vais vous montrer, ça. Ça, c'est OnErrorReturn, du coup. Donc là, je vous dis, quand tu tombes sur une erreur, à la place, tu renvoies une incroyable petite en bas. Une incroyable string qui dit stop with not a number. Côté JavaScript qui dit ça. Tac. Donc c'est ils ont plus joli. Et jamais on voit qu'il n'affiche pas de stack trace. Donc il passe jamais par là en fait. Donc du coup, on a nous-mêmes pris en compte l'erreur
et on l'a traité de la manière dont on voulait. Et puis ensuite, imaginons qu'on veuille laisser tomber et ne pas traiter les trucs qui nous sortent des erreurs. Ce que j'ai fait ici, c'est que dans ce qui avant était un map, là ce que je lui dis c'est ok, tu me prends mon flux, tu me prends chaque valeur et à partir de chacune tu fais ta division et si ça se passe pas bien tu merges ça avec un string vide. Du coup en réalité ici quand tout va aller bien, ça va renvoyer un stream avec une valeur qui est le résultat. Et quand tout va aller mal, ça va renvoyer ici un stream qui est vide. Et comme j'ai dit que FlatMap tout à l'heure, prenez tous ces streams et prenez toutes les valeurs qui arrivent dans ces streams et émergez ensemble dans un stream global, vous n'allez plus voir votre zéro. Par contre, du coup, s'il y a une autre exception qui n'est pas arithmétique exception, ça va se retrouver en bas. Tac. Et du coup ici, voilà, j'ai bien traité toutes mes données et skippé la donnée qui sert à rien. Voilà, c'est la gestion des erreurs. Vous avez des questions là-dessus ou... On peut faire des questions mieux, on est fou là, comme ça. Ok, go. Là l'exemple, je viens de les donner. Une notion qui est super importante dans Rx. Et peut-être certains d'entre vous ont commencé à se poser la question, c'est à partir de quel moment l'observable commence à émettre des données. Typiquement, il y a une notion de hot and cold, c'est-à-dire qu'il y a des observables qu'on va appeler froids, cold, qui sont des observables qui sont passifs, c'est-à-dire qu'on va les définir, on va définir la manière dont on crée l'observable, et ensuite la manière dont on va transformer les données à l'intérieur du flux, dans la chaîne. Mais l'observable ici, il ne va pas commencer à émettre des données. Il va attendre qu'on souscrive à lui pour émettre des données. Alors en fonction de votre use case, ce n'est pas forcément voulu. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas vous attendre pour émettre des données. De l'interface utilisateur, des services externes qui vous poussent de l'info, des stock exchange, des choses comme ça. Vous voulez avoir des choses auxquelles vous pouvez juste vous souscrire au moment où vous le voulez. En l'occurrence ici, du coup, c'est pas le cas, et par défaut, du coup, c'est pas le cas. Par défaut ici, Interval va attendre avant de créer des événements 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'infini, attendre que je souscrive dessus. Exemple. Parce que ça peut créer des choses un peu bizarres si vous ne le savez pas. Ok, donc ici là, je peux pas remonter. Bon, je crée en gros un observable qui envoie une valeur chaque seconde. D'accord ? Là, je bloque mon thread de manière dégueulasse. C'est juste pour vous montrer que entre le moment où je le définis et le moment où j'y souscris, jamais il passera dans emitted an event ici. Parce qu'il ne les émet pas encore. Et au moment où je vais... juste rajouter ça pour que je m'en désinscrive après. C'est pas important. Donc normalement ici, si tout va bien, je vais définir mon truc, je vais attendre 5 secondes, au bout de 5 secondes, je vais commencer à avoir des données qui rentrent, et en fait c'est le moment où mon observable démarre. Et là, ça ne fait pas d'erreur. Voilà, donc là du coup, on voit qu'il a attendu pour émettre des événements que j'y souscrive. Du coup, il faut faire gaffe avec ça, parce que qu'est-ce qui se passe si vous souscrivez deux fois au même observable. Par exemple, comme ça.
Et bah, du coup, ouais, en fait, du coup, il va créer deux autres variables. En fait, il y a deux sources. Il va y avoir deux sources différentes. Ici, là, je crée un observable qui envoie une donnée et puis, oui, qui envoie un timestamp parce que c'était pratique pour vous montrer. Et puis qui s'arrête. Et je l'appelle deux fois de suite, à une seconde d'intervalle. Et du coup, les deux réponses, c'est la première. C'est la première valeur que mon observable a envoyée, et c'était à ce moment-là. Et la deuxième fois que j'ai souscrit, c'est aussi la première valeur que mon observable a envoyée, et c'était une seconde plus tard. Du coup, en fait, c'est deux observables différents. Donc c'est pas toujours voulu de faire ça. Voilà pourquoi on a des hot observables. En gros, on va dire que c'est des observables qui broadcastent. Du coup ici, même exemple, j'envoie un événement chaque seconde, je lui dis cette fois qu'il doit publier, hein. Donc en gros qu'il est en mode hot, et à partir du moment où je lui dis source.connect, il commence, il fait son truc, c'est son problème, et il ne regarde pas s'il y a des gens qui l'écoutent ou s'il y a des gens qui ne l'écoutent pas. Du coup ici, je pense que vous avez compris, je vais faire vite fait, tac. Du coup ici, si je reprends mon truc où je crée un observable, je l'écoute au bout de 5 secondes, et au bout de 5 secondes j'arrête de l'écouter. Voilà, c'est celui-ci. Sauf que celui-ci, je lui dis que c'est un observable de type broadcast et qu'il doit se connecter. Pendant 5 secondes, il commence à émettre des événements, même si moi je ne l'écoute pas déjà. Là, je commence à écouter, donc j'ai les événements que à partir du moment où j'ai commencé à l'écouter. Et au moment où j'arrête de l'écouter, il continue à émettre des événements. Ce qui n'est pas vrai pour un observable qui est en cold. Lui, il sait combien de gens qui sont en train d'écouter. Enfin, du coup, il peut y avoir une personne. Il sait s'il y a un subscriber dessus ou pas. Et du coup, il est capable de s'arrêter ou non. Après, c'est vous qui le définissez, c'est à vous de le faire. C'est à vous de l'écrire. Et j'ai perdu le mot parce que j'ai. C'est pas encore trop mon copain, IntelliJ. Mais ça va venir, ça va venir. Hop. Ok, dessus. Du coup. Ah oui, je voulais montrer une chose avant de parler de ça. Parce que ce sera plus compréhensible. J'avais fait un truc rapidement. Vous n'allez pas me croire, mais c'est quelques lignes. C'est un serveur WebSocket fait avec Vertex. Et. Tac. En gros. Copier là parce que c'est assez grand. Oublions tout le début, qui n'est pas grand chose. Prenons ici. Bien. En gros, je crée un observable, encore une fois. Sauf que les événements, au lieu de venir d'une boucle fort qui ne sert pas à grand chose, ils viennent d'un serveur WebSocket qui est fait en trois lignes. Et qui en fait appelle onNext à chaque fois qu'il reçoit un événement. Du coup, je me retrouve avec un observable qui envoie des événements à chaque fois que mon WebSocket en reçoit. Ce qui du coup est assez pratique parce que je pourrais merger ça avec ce que je veux. Mais bon. Je me suis dit, je voulais faire ça, puis je me suis dit que ça allait complètement partir. Alors, ce que j'ai fait par contre, c'est que dessus. Lui, je lui ai dit d'émettre des données, parce qu'on se doute bien que moi, mon client de mon serveur WebSocket, il ne va pas attendre que je commence à souscrire pour discuter avec moi. Bah, tant pis, il sera perdu. Après, on peut utiliser des opérateurs comme cache ou autre. Et du coup, j'ai fait un subscriber qui est capable d'afficher les datas brutes qu'il reçoit, et un subscriber qui calcule la moyenne des valeurs que je reçois. Je vais vous dire ce que c'est comme valeur, après on s'en fiche, c'est la position de la souris dans mon navigateur.
Du coup, ça calcule la moyenne sur une fenêtre glissante de 5 secondes qui glisse chaque seconde, du coup. La position sur X de ma souris dans la fenêtre, ça ne sert à rien, je suis d'accord. Est-ce que j'avais mieux comme événement qui veut dire quelque chose, il y en a plein. Alors du coup, je peux ouvrir mon incroyable client qui est closed parce que je n'ai pas lancé mon serveur. Voilà. Ah mince, il continue à tourner. C'est mon truc d'avant, ça. Ah oui, si on ne leur dit pas d'arrêter, ils n'arrêtent pas aussi. Tac, 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 tac. Voilà. Du coup, là, j'ai démarré mon serveur, qui pour rappel est ici. Voilà. Ouais. Et l'average commence déjà à se mettre en place, forcément, mais j'ai aucune valeur à lui envoyer. Du coup, là, je vais faire comme ça. On voit qu'à chaque fois que je bouge ma souris ici, je vais recevoir dans mon WebSocket la position de ma souris. Bon, je suis d'accord, si vous trouvez une application concrète à ça, ça va. Et ensuite, du coup, j'affiche sur les 5 secondes qui suivent la moyenne de toutes ces données-là. On voit que c'est un flux qui se termine jamais. Donc, faire une moyenne sur une fenêtre qui glisse, etc., ça devient, à mon avis, un peu velu quand on n'utilise pas ce genre de choses. Ça bouge, c'est génial. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que ici, du coup, je fais des actions qui ne sont pas. Mes opérateurs prennent pas énormément de CPU, on va dire. Ma charge n'est pas énorme. Cela dit, le nombre d'événements que je lui envoie, à un moment, pourrait peut-être dépasser ma possibilité à moi de traiter chacun de ces événements et de faire les actions que je veux faire dessus. Je ne sais pas si à chaque fois que je bougeais ma souris, je voulais calculer Fibonacci de X. Du coup, il y aurait un problème, c'est-à-dire que l'info arriverait plus vite dans mon flux que la capacité que j'ai à être traitée derrière. Donc pour ça, à un moment, on va être obligé de mettre en place des systèmes pour dire à celui qui écoute, à celui qui traite les données, pour lui donner la possibilité de dire en gros à l'observable « Oui, arrête de m'en envoyer » ou « Continue à m'envoyer tant d'événements, etc. » Bref, ça s'appelle « Back Pressure » avec Eric. Et dans l'idée, c'est assez simple à mettre en place, je vais vous montrer. L'idée fondamentale, c'est de dire « Toi qui es subscriber, c'est toi qui sais quand est-ce que tu reçois les résultats du traitement, et donc c'est à toi de dire à l'observeur, à l'observable d'envoyer plus ou moins de données. Ce que je viens de raconter, c'est ce que j'ai écrit là, du coup ça ne sert à rien. Blablabla. Oui, alors Backpressure du coup est déjà développé, est déjà intégré à la librairie dans la plupart des opérateurs qui en ont besoin. Et du coup, si vous créez votre observable avec un observable.create, par exemple, vous allez être obligé de l'intégrer vous-même à la main si vous voulez utiliser ce genre de mécanisme. Ce qui, du coup, est normal. Et je vous ai fait des exemples. Je ne vous ai pas mis d'exemple qu'on le faisait à la main parce que je me suis dit qu'on allait over-complexifier les choses. Mais, en gros... Alors lui, il va continuer toute la vie, c'est bon. Back pressure. On va vite aller voir ça sur GitHub. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux inverser aussi. Tu peux mettre la console en haut. Si tu cliques sur debug et tu fais ici tout en bas. Sur debug. Ah. Tu vas sur console et tu vas glisser sur tout. Ouais. Si je mets ça là. Ouais. C'est génial. Ça change pas grand chose en réalité parce que. Bon, merci, c'est bon. C'est très bien. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai créé un flux qui contient un 2.4. Okay. Quand je reçois un événement, je lui dis d'attendre 2 secondes. Attendre 2 secondes et ensuite de le passer au subscriber. D'accord?
En réalité, comme chacun de ces éléments sont traités séparément, on va dire, ce qui va arriver dans la vraie vie si on n'utilise pas back pressure, on va, ici, notre observable va envoyer d'un coup 1, 2, 3, 4, dans le même milliseconde, quoi, parce que c'est assez simple d'envoyer ce genre de choses. Et du coup, on va appliquer un délai de 2 secondes sur chacun de nos valeurs. Et ils vont tous arriver en même temps dans Subscriber, en réalité. C'est juste qu'on va attendre 2 secondes au début. Et puis, ils vont tous arriver en même temps, du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Même si mon délai de 2 secondes, dans la vraie vie, c'est toujours un peu bête de faire du délai. Enfin, ce que vous faites après. Alors, ici, maintenant, dans mon Subscriber, je suis capable d'utiliser une méthode qui s'appelle Request, et qui, en fait, dit à mon observable, vas-y, tu peux m'en envoyer plus, tu peux m'envoyer les suivants. Du coup, en général, enfin, ça dépend après de vos emplaines, mais là, en l'occurrence, je lui dis, ok, quand on démarre, quand je souscris, c'est on start, je commence par en demander un. Et quand je reçois un, à chaque fois que je reçois un on next, je demande le suivant. Du coup, normalement, quand je demande le suivant, ça veut dire que celui de juste avant a parcouru toute la chaîne. En même. Du coup, je me retrouve avec un truc. On continue de faire des notes valises. C'est pas clair du coup. On va lancer ça. Personne, c'est comment on arrête les trucs dans une console sans relancer la console. Tac. Voilà. Du coup, je reçois 1 parce que je lui ai demandé, parce que j'étais on start. Comme je reçois 1, je lui demande le 2. Comme je reçois le 2, je lui demande le 3. Comme je reçois le 3, je lui demande le 4. Du coup, on pourrait par exemple se dire, tiens, et on va en demander 2 au début. Et du coup, si on en demande 2 au début, ils vont envoyer 1 et 2. 1 et 2 vont arriver dans le next à peu près en même temps. Et du coup, le next va demander les 2 suivants. Voyons si ça marche. Donc là, j'ai 1 et 2 qui arrivent. Et 3 et 4 qui arrivent les uns après les autres. Bref, en tout cas, grâce à ça, le subscriber peut vraiment gérer, peut vraiment affiner la manière dont on va lui pousser les données. Il ne faut pas avoir quelque part quelque chose qui un opérateur qui dont la queue commence à. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter ? Scheduler. Au début, je vous ai montré un truc. C'était créer un observable et lui dire de démarrer un nouveau thread pour calculer tout ça, pour faire son calcul. Computation. C'est un truc qui n'est pas rare, sachant que du coup, RxJava, lui, impose par défaut d'être toujours dans le même thread. Des fois, vous n'avez pas envie de bloquer votre thread. Si votre calcul dans un opérateur, il est assez, il prend beaucoup de puissance. C'est pas dit, hein. Tac. Et à chaque fois, j'ai tous les trucs dans mes slides. Du coup, Eric propose une solution pour gérer tout ça, qui s'appelle les schedulers. Il en propose quelques-uns par défaut, qui sont les choses les plus utilisées, c'est-à-dire le scheduler qui dit démarre ça dès que tu peux dans le thread courant, qui s'appelle immediate. Le scheduler qui dit ok, démarre ça dans le thread courant, mais via une queue, ils sont là en fait, et c'est visible, ça va. Qui s'appelle trampoline, c'est joli. Et par exemple, le scheduler qui dit ok, démarre-moi tout ce travail-là dans un nouveau thread. Quand je dis tout ce travail-là, c'est le travail qui est fait à l'intérieur d'un observable. Ou à l'intérieur de. Enfin, à l'intérieur d'un observable ou à l'intérieur d'un opérateur. Donc en gros, je peux pour chacun des opérateurs tuner où est-ce que je veux qu'il fasse son traitement. Dans la vraie vie, j'ai fait des trucs pas très jolis non plus, où je récupère le nom du thread courant et tout. C'est pas vraiment la vraie vie, mais admettons, si je prends
le truc par défaut que maintenant vous connaissez tous. Donc là, je crée un flux avec une seule valeur, parce que je n'ai pas en train de... Voilà. Et dessus... C'est là, on est tout là. Tac. Voilà. Du coup, voilà, un flux qui a une valeur, et dessus, je fais un map qui ne fait rien, en l'occurrence, qui renvoie juste la même valeur, qui est hit, là. Et au milieu, juste, je fais un println pour afficher le thread dans lequel on est en train de faire ce traitement-là. Ne faites pas ça à la maison. Tac. Donc là, on voit bien que nativement, par défaut, il est dans mon main thread. Ok, mais imaginons que dans mon map, là, je lui fasse faire if fois des choses incongrues, ou alors que je fasse un pet map, en fait, et que j'aille récupérer des choses dans un service externe qui me répond en 3 secondes, ça peut être compliqué. Alors du coup, on a plusieurs choses qui nous sont offertes par Rx pour faire ça. On a subscribe on. Ok, donc subscribe on, en gros, il va définir un scheduler pour toute la chaîne. J'ai mis au milieu justement pour qu'on voit bien que c'est pour toute la chaîne. C'est-à-dire que là, on va lui dire le just, là, c'est-à-dire la manière dont je crée mon observable, mon créateur d'observable, mes deux maps qui sont en dessous, là, au-dessus et en dessous, je veux qu'on les fasse tourner dans un nouveau thread, dans un thread à part. Donc j'écris ça, subscribe on, je vais chercher dans les schedulers une instance qui s'appelle new thread. Et si je démarre ça, ça nous dit bien que mes deux maps ont tourné dans un thread qui s'appelle Rx New Thread Scheduler en l'occurrence. Ce qui peut, du coup, est pratique, j'utilise ça un petit peu. C'est pas New Thread parce que c'est pas là pour parler de vertex. Hop. Alors, autre chose. Observon, en gros, Observon, c'est la même chose, sauf que là aussi, j'ai mis au milieu, parce qu'en gros, il va définir le scheduler juste pour la chaîne ensuite, après lui, en fait. C'est-à-dire que là, le just et le map vont tourner dans main. Par contre, le map suivant va tourner dans un nouveau thread. Okay. Ce qui est bien, c'est que ça m'évite d'écrire des enable, des machins, des trucs que je ne sais pas faire. Du coup, hop, mon premier tombe bien dans main et mes deux secondes dans un nouveau thread qui s'appelle 2 en l'occurrence. Voilà là-dessus. Tac. C'est ce que je viens de faire. Pour aller plus loin, et c'est là où je reparle de .NET, je suis désolé. Rx. C'est parti de .NET, certes, ça a été repris par Netflix pour faire Rx Java, mais c'est pas une copie de .NET. Dans l'idée, Netflix a fait beaucoup évoluer les implémentations et les concepts et les opérateurs disponibles. En gros, maintenant, c'est énormément de choses, beaucoup de langages. J'ai mis tout ceci sur la même ligne parce qu'en fait, ils sont tous basés sur Rx Java dessous. Rx Android, c'est pas mal utilisé d'ailleurs. Il y a des gens chez SoundCloud qui utilisent ça pour gérer tout ce qui est interface utilisateur sur Android. Parce qu'il y a des choses à faire avec ça. En gros, tous les listeners, choses comme ça, tous les touch d'un utilisateur, tous les boutons et machin, tout ça, ça peut être vu comme un flux synchrone. XNative, JRuby, Ruby, Scala. Et puis, du coup, il y a des projets autres que je ne connais pas, comme pour Ruby, pour Python, pour Clojure, mais j'aimerais bien connaître ça. Pour C++ et pour Kotlin. Du coup, tout ce monde-là s'aime bien et fait plein de choses pour essayer de rassembler les énergies. Il y a du coup une très bonne doc qui est maintenant une doc commune de tous ces projets-là.
qui du coup est super bien maintenu et assez pratique et assez central, on va dire, pour récupérer tout ça. Je crois que j'ai fini là-dessus. Une question ? On va prendre des questions ? Il y a des questions là. Est-ce que tu as déjà utilisé RedCan ? C'est plus pratique que le Kubdish, le connecteur rapidement. RedCan, oui, sauf que non, j'ai jamais utilisé. Et du coup, en fait, j'ai pas beaucoup de hot observables chez moi. Mais ouais, tu peux expliquer ça si tu veux. Le RedCan, en fait, tu mets ça sur un observable et en fait, cet opérateur-là, il va compter les subscribers. Donc, ouais. En effet, tu n'as pas besoin de faire un connect après tout. Ok, mais du coup, quand tu en as zéro, ça fait genre. Il s'arrête ? Pardon ? Il s'arrête quand tu n'as plus ou... Oui, ça s'arrête. Ah oui, d'accord. Sauf si c'est un hot observable, mais bon, là, c'est la source qui est comme ça. Ok, d'accord. Alors que quand tu fais un publish, en fait, ce que tu as en retour, c'est un sujet. Et c'est, tu dois interagir sur ce. En fait, ouais, les sujets, j'ai pas voulu commencer à parler des subjects. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est juste que le truc est inobservable, il est inobservable en même temps. Et sinon, là, en fait, tu as parlé de back pressure. J'ai essayé de jouer avec les opérateurs en back pressure drop ou... Non. Non. J'en fais, mais en XJS. D'accord. Un autre réseau. Et pas en XJava. Donc, tu as dit, c'est bien foutu en XJS. Non, mais... Étonnamment, ça marche très bien. Non, mais du coup, je ne sais pas. Juste par rapport à la présentation, on a vu les différents types de schedulers. Ouais. Par contre, je n'ai pas très bien saisi, on peut les utiliser c'est l'équivalent des schedulers MoonStream ou des schedulers que vous utilisez, les schedulers IO, les schedulers. Oui. Ouais, en fait, ça c'est les schedulers par défaut qui proposent, enfin par défaut, c'est les schedulers qui proposent, on peut développer les tiens. Et oui, tu peux les utiliser, du coup, ici par exemple, j'avais utilisé NewThread là, dans les exemples, mais en fonction de ce que tu fais, tu vas utiliser des choses différentes. Moi, en réalité, j'utilise Computation et Trampoline parce que c'est des schedulers par défaut sur la plupart des opérateurs. Et un qui est spécifique à Vertex, parce que moi j'ai une event loop qui est sur un thread et j'ai pas le droit d'en sortir. Mais du coup, je ne sais pas des questions directes. Mais si ça c'est lié en fait. Juste pour faire le lien entre ce que tu nous as montré et ce tableau-là. Non, en fait, ça c'est le tableau des schedulers qui sont intégrés à la librairie, qui sont proposés par la librairie. Pour être utilisé directement out of the box quand tu développes avec RX. D'accord. Donc on peut utiliser comme dans ton exemple. Comme ce que j'ai montré avec SubscribeOn, avec ObserveOn, exactement. D'accord. Exactement. C'est exactement ça. Pour traiter les erreurs, là, quand on a par exemple un événement dans un flux qui est en erreur, ouais. Est-ce que la bonne solution, c'est de les mettre sur un subject dont on n'a pas parlé, mais... Tu veux dire, par exemple, d'avoir pour qu'il soit traité, un subject quelque part, qui est en fait pour toi un... Ouais, pourquoi pas. Je fais pas ça, mais c'est pas une bonne idée. Tu fais ça ? Comment tu fais Oui, moi, c'est ce que je fais, mais... En réalité, moi, la plupart du temps, j'ai trois erreurs. J'ai des erreurs que j'ai pas prévues et à un moment il faut que j'en fasse quelque chose et je fail quelque part. Donc ça en fait je fail le plus tôt possible. J'ai des erreurs qui sont prévues et en général c'est des choses où j'ai besoin d'un fallback et du coup j'utilise énormément un error next, hein. Resume next. Et j'ai des erreurs de type métier on va dire. Et ça, en fait, moi, je vais faire descendre jusqu'à mon subscriber pour pouvoir les traiter à ce moment-là. Et tous mes subscribers traitent les erreurs de la même manière.
Donc moi, en fait, c'est à ce moment-là que je les récupère tous. Mais donc du coup, il faut bien transformer l'objet résultat. Il y a bien, il va se transformer en deux valeurs, une valeur normale ou enfin l'événement qui est transformé, il va se transformer en un autre objet avec via la map. Il va se transformer en objet correct ou incorrect. Un objet Mais normal. Du moment où il y a eu une erreur quelque part, comme c'est en fail fast, ça interrompt le stream. Pardon ? Ça interrompt le stream. Oui, c'est des ajouts qui ne pas. Oui, par contre, ça interrompt le stream. Des fois, c'est vrai que c'est pas forcément ce que tu veux. C'est rare, en réalité, moi, ça me va plutôt bien. Typiquement, si tu fais dans le bas de temps en temps, tu fais une API avec ça, par exemple, où chacun des appels, c'est un événement sur ton serveur. C'est assez pratique de faire que cet événement il faille au milieu et de renvoyer une erreur à ton client s'il y a un souci. Tu vois. Mais c'est bon, j'imagine que ça dépend des use cases. Tu vois. Mais c'est je veux bien savoir comment tu utilises des subjects pour faire ça. Okay. J'ai une question de carrière. Comment se passe le debug, en fait ? Comment se passe le debug ? Oui. Alors, je ne vais pas non plus complexifier, mais en fait, moi, il y a un truc qui est vachement bien. Il y a un scheduler qui s'appelle Debug Scheduler et qui permet de maîtriser le temps. Et du coup, tu peux c'est génial. C'est Hiro Nakamura. Et tu peux faire avancer ou reculer le temps pour pouvoir voir exactement comment ça se passe. Il y a aussi un projet qui s'appelle RX Java Debug, je crois, un truc comme ça, qui permet de faire des... Ça marche pas avec les points d'arrêt. Ouais, voilà, il faut utiliser ton scheduler, parce que il faut utiliser le scheduler de test pour ça. Et oui. Non, c'est la merde. Ça ne cache pas, ça marche pas du tout. On va passer au quiz.